combat pour son monde bienvenu. Mesdames et messieurs, au nom du commandant de la 2e région militaire de l'AB, je vous souhaite la bienvenue et une bonne fête à l'occasion du 106e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, que nous célébrons sous le thème « Hommage aux anciens combattants ». Le monde entier est témoin du rôle joué par notre armée pour la libération des peuples opprimés d'Afrique, Guinée-Bissau, République démocratique du Congo, Angola, Bénin, Sierra Leone, Libéria et le maintien de la paix au Mali. L'armée guinéenne, depuis sa création le 1er novembre 1958 jusqu'à ces jours, s'est pleinement investie dans le développement économique, culturel et social du pays. Des sentiers de jeunes routes à la mise en valeur des vastes plaines de Koundian, en passant par la production des usines militaires de Conakry et les prestations artistiques et sportives des forces armées. Citons un exemple, la prestation honorable des Amazones de la gendarmerie nationale à Moscou lors du Festival international des musiques militaires. Nous affirmons avec force et détermination que l'armée guinéenne est une armée au service de son pays et de son peuple. À ce titre, nos pensées pieuses vont tout d'abord au père fondateur de la nation guinéenne, le feu président Amer Sékou Touré. Ensuite, aux pionniers de cette institution républicaine, dont les efforts conjugués et surtout les expériences militaires ont permis au peuple de Guinée de se doter d'une armée moderne. Nous rendons également un vibrant hommage au chef suprême des armées, président de la République, chef de l'État, président du CND, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour ses initiatives de modernisation des forces de défense et de sécurité et de l'amélioration du niveau de vie des militaires et agents des forces de défense et de sécurité par la construction des édifices de logement et de travail. Construction de l'EMG, l'école d'état-major guinée, du Britannique militaire de Guinée et des écoles spécialisées pour la formation des militaires, officiers, sous-officiers et militaires du rang. Dieu nous a confié la Guinée et les Guinéens. Nous avons pour mission de les défendre et de les protéger. Vive l'armée guinéenne, vive le CRND, vive le peuple de Guinée, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur et une grande joie que je prends la parole devant vous ce matin au nom de Monsieur le gouverneur de la région administrative de l'Abbé pour juste rendre un hommage mérité à nos anciens combattants et souhaiter un joyeux anniversaire aux forces de défense et de sécurité. En effet, le 1er novembre 1958, les pères fondateurs de la République de Guinée ont créé l'armée guinéenne dans le but de défendre l'intégrité territoriale et de consolider la souveraineté nationale, proclamée un mois plus tôt, c'est-à-dire le 2 octobre. On se rappelle encore, avec reconnaissance, que d'illustres patriotes tels que le général Noumandian Keïta, le général Lansana Conté, le colonel Louis Lamine Diallo, le colonel Kaman Diaby et bien d'autres encore avaient aussitôt renoncé dignement à tous les privilèges de l'armée coloniale française pour se mettre au service de leur patrie en rejoignant ce embryon par trois contingents arrivés respectivement le 22 novembre 1958,
le 31 décembre 1958 et le 18 juillet 1959 pour soutenir le jeune État indépendant. Ainsi, les forces armées guinéennes ont non seulement protégé la souveraineté de la jeune République de Guinée, mais elles ont aussi participé activement à la lutte de libération du continent africain. Fidèles à la vocation panafricaniste de la République de Guinée, notre armée a également consenti d'énormes sacrifices pour forger sa gloire en démontrant en toute épreuve sa bravoure, son génie, sa discipline et surtout son patriotisme. Lors de l'agression barbare portugaise du 22 novembre 1970, tout comme pendant les attaques meurtrières rebelles de 2000 et 2001, l'armée guinéenne a prouvé sa capacité opérationnelle, sa loyauté en boutant l'ennemi hors du territoire national. Aussi au Congo, en Guinée-Bissau, en Angola, au Bénin, au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Haïti, au Soudan, au Burundi, au Sahara occidental et au Mali, les forces de défense et de sécurité ont toujours apporté la pierre guinéenne à l'édification de la liberté, à la consolidation de la paix et à la restauration de la stabilité en Afrique et dans le monde. Cette glorieuse armée guinéenne dont nous sommes si fiers fête le 66e anniversaire de sa création ce vendredi 1er novembre 2024. À cette heureuse occasion solennelle, je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire des vaillants pionniers et tous les martyrs tombés sur le champ d'honneur en défendant le drapeau national sur les différents théâtres d'opération. Je rends également un hommage mérité à tous les filles et à tous les fils de la Guinée qui ont servi et continuent de servir cette institution avec loyauté et dévouement. Tous, ils ont éternellement droit à la reconnaissance et à l'honneur de la République. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, nous fêtons cet anniversaire dans un contexte marqué par l'engagement que nous avons pris devant le peuple le 5 septembre 2021. Celui d'imprimer une nouvelle dynamique de la marche historique de notre cher pays. L'avènement de cette nouvelle ère d'espérance pour notre pays, porté par le Comité national du Rassemblement pour le développement, nous oblige à plus d'abnégation au travail, car la réussite de cette transition repose en grande partie sur nos épaules de soldats. En adressant mes vives félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour l'esprit de corps et de discipline qui a caractérisé ce tournant décisif, j'exhorte tout un chacun au sursaut patriotique dans l'accomplissement de nos tâches respectives. Nous devons avoir constamment à l'esprit que nous avons l'obligation de défendre non seulement l'intégrité du territoire, mais aussi d'assurer la sécurité des populations et leurs biens. À ce titre, je vous invite, vous, vaillants militaires et paramilitaires, à redoubler de vigilance et à adopter un comportement exemplaire en tout lieu et en tout temps. À vous, les braves citoyennes et citoyens, à tous les niveaux, je vous exhorte à une collaboration étroite et franche avec les forces de défense et de sécurité. Et tous, ensemble, pérenniser les actions civilo-militaires pour consolider les bonnes relations entre les citoyens et leurs armées. Je ne saurais terminer mon allocution
sans remercier et rendre un hommage vibrant et mérité à son excellence, le colonel du corps d'armée Mamadi, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration progressive des conditions de vie et de travail des personnels des forces de défense et de sécurité. Mes remerciements vont également à l'endroit du gouvernement qui s'emploie à la mobilisation des ressources y afférentes. Toutes mes gratitudes aux citoyennes et citoyens de la région administrative de l'Abbé en général et celles et ceux de la préfecture de l'Abbé en particulier pour leur adhésion effective aux idéaux du CNRD et pour leur soutien aux actions et initiatives de son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous un très bon et joyeux anniversaire. Vive l'armée guinéenne, notre fierté. Vive le CNRD. Vive la République. Vive le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم المعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Futa Kamen, la base qui vous enseigne.